to one of Valmont's nightclubs. We have it surrounded. A sentence to death on the guillotine. In the name of Satan, I place a curse upon you. Monster. C'est une découverte, il y a des choses incroyablement senties là-dedans. C'est vrai qu'en plus, si on replace le film dans l'époque, c'est-à-dire 63, en France, le cinéma fantastique, en tout cas faire un film fantastique en France, c'était soit un acte isolé, souvent d'ailleurs, c'était souvent des films auxquels il manquait une certaine grâce, je dirais, parce que souvent ils étaient empruntés en fait au cinéma italien ou anglais qui dominait à cette époque. Mais là, il y a vraiment des moments d'inspiration réelle et tout. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est une découverte importante, je pense. C'est dommage que le réalisateur n'ait pas poursuivi, n'ait pas fait de long métrage, parce que réellement, il y a des plans qui ont un talent. La scène de vampirisme, ou donc Jonathan Harker, parce qu'on peut l'appeler comme ça, c'est comme une adaptation de Dracula à peine dissimulée. Jonathan Harker se fait mordre par Dracula près de son cercueil rempli d'aura, et qu'on a Ediscope qui est dans un cauchemar. C'est une séquence absolument sublime. L'enchaîner les trois plans est absolument formidable. En plus, ça m'a fait plaisir c'est toujours un plaisir de revoir Ediscope que j'ai dirigé dans Le Pacte des Loups, et de l'avoir magnifique. C'est un très beau film, très étonnant dans le cadre du cinéma français de cette époque-là. Moins étonnant, évidemment, quand on sait que c'était le beau-frère de Franju. Et ce qui m'a sidéré, c'est que c'est aussi beau que du Franju et qu'il y a quelques plans qui semblent tout droit sortis de films de Franju, et notamment de ses courts-métrages documentaires. Certains plans sont vraiment dignes des meilleurs moments de Franju. C'est un chouette film, je suis content d'avoir pu le découvrir grâce à ce volume 2 de Midi Minuit Fantastique, parce que je ne connaissais l'existence du film que par le magazine, à l'époque où il est paru. Je n'avais jamais eu l'occasion de le voir, il est plus que rarissime, il est quasiment inédit, ça c'est formidable de pouvoir enfin le découvrir. De l'avoir sur grand écran dans cette salle mythique du Champeau, avec le ciel étoilé, ça fait vraiment un drôle d'effet. Ça donne encore une dimension encore plus fantasmatique au film. Et là, en plus, avec un public vraiment accro au fantastique, c'est deux fois plus extraordinaire. Et c'est vraiment, je suis d'abord très content qu'on ait pu travailler sur ce film, retrouver le négatif à Bois d'Arcy, travailler avec l'ayant droit pour pouvoir le restaurer et le remettre en très bon état, parce que ça donne une nouvelle vision du film, avec cette profondeur de champ, ce grain de noir et blanc, le son qui est assez extraordinaire, et ça donne une toute autre dimension, le son, dans une salle comme ça que dans un petit écran. D'autant plus que celle-là, ça donne encore plus envie que le film soit redistribué, revive sur un grand écran. Alors, c'est formidable parce qu'il est en DVD. Tous les spectateurs amateurs de Midi Minuit Fantastique vont le découvrir grâce au DVD. Mais j'espère qu'il va pouvoir accompagner d'autres séances de Midi Minuit Fantastique à d'autres occasions. C'est un film étonnant. C'est une déambulation poétique et étrange et inquiétante. Ça évoque beaucoup Franju, effectivement. C'est-à-dire le mélange de familier et d'angoisse, enfin, et d'inquiétude. C'est un film, finalement, qui nous laisse imaginer une voie qu'aurait aussi pu prendre le cinéma français. Voilà. Qui ne l'a pas prise parce que le cinéma français, en fait, vient d'une tradition purement réaliste, qui est celle du roman du 19e siècle, etc., du roman français, de la littérature française. Et donc, évidemment, un film comme ça, comme les films de Franju ou d'autres, mais assez peu finalement, sont évidemment des objets très précieux, parce que ce sont les signes d'une voie que n'a pas empruntée le cinéma français. Midi Minuit Fantastique était à l'époque une revue tout à fait indispensable. J'ai envie de dire toujours ma Bible, parce que c'est par là qu'on a abordé, qu'on a eu la connaissance, et qu'une poignée de jeunes auteurs s'en sont inspirés pour faire qui des livres, qui des revues. Alors aussi bien, je sais pas, des Alain Chlokhoff, moi déjà. Je suis surpris de voir que ça a gardé sa classe, son étiquette.
je vois des gens jeunes qui ont l'air de connaître et je suis assez content parce que je me dis que ça perdure de la même façon que Mad Movies perdure avec ses 200, bientôt 300 numéros. C'est le cinéma, quoi, en joie, en liesse. C'est une revue très importante dans la mesure où elle a marqué l'existence d'un certain type de cinéphilie, très différente de celle engendrée par les revues des années 50, à la fois marquée soit par l'idéologie du compositif, qui était une revue plutôt à gauche, ou marquée par une vision strictement réaliste du cinéma, qui est les cahiers, c'est-à-dire le basinisme, etc. Et Midi Minuit, en fait, est une revue qui a cristallisé sur des objets très triviaux, en fait, des films d'horreur qui sortaient dans les salles de quartier, une vision qui vient du surréalisme, en fait, un rapport au cinéma qui vient du surréalisme, le cinéma comme monde totalement imaginaire. Être Midi Minuit, c'était en 2015, c'est continuer à penser d'abord que le cinéma est un acte créatif, ce que beaucoup de gens commencent sérieusement à oublier. Et que ce qui est important à travers un film, c'est de rencontrer et d'être en osmose avec les gens qui l'ont fait. C'est-à-dire que les films, c'est pas juste de la satisfaction qu'on en retire. C'est quelque chose qui est à double sens. C'est-à-dire c'est un dialogue avec les gens qui font le cinéma. Et malheureusement, j'ai l'impression aujourd'hui que le cinéma est de plus en plus subjugué à, en quelque sorte, un goût dominant, une sorte de vaste dénominateur. Et non plus, il n'y a plus beaucoup de curiosité dans l'acte d'aller au cinéma. Et je pense qu'être Midi Minuit, c'est souvenir en tout cas de ça. Voilà. C'est vraiment un travail d'abord étonnant, un travail de chercheur, un travail de scientifique, un travail d'historien, très sérieux. Je trouve ça assez étonnant. Et relire et voir qu'il y a des gens qui s'attachent à refaire découvrir des revues pareilles et à faire tout ce travail extraordinaire d'édition. Je trouve ça formidable. Il faudrait donner la Légion d'honneur à ces gens-là. C'est un petit peu comme si les plaisirs les plus... les lectures les plus sulfureuses de l'époque étaient aujourd'hui en super pléiade. C'était épatant. J'attends déjà le troisième. Ce serait formidable que Midi Minuit Fantastique reparaisse.